Eh bien, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va très bien. Donc, vous voyez, comme ici, je suis en train d'arranger les pommes de terre. Là, ils ont eu le midiou, les amis. Donc, ce qui est trop doux. Et avec la chaleur, bah, ça a séché. J'ai coupé tous les verres. Là, il y a un dos. J'ai coupé tous les verres. À part que je laisse encore solo, que c'est encore en feu. Donc là, il y a encore des fleurs. Mais j'arrache un petit peu au fur et à mesure. Donc, voilà. Ils ont le midiou. On a déjà un poké quand même. Alors, je n'ai déjà mangé. Alors, ce soir, parce que je fais la vidéo très tard. On a déjà mangé une ou deux fois déjà. Ils sont bizarres encore. Ceux-là, je vais pas les prendre. Ils sont encore. Donc vous voyez, il y a encore ça à couper. Et puis après, bah, fini. Mais bon, dans 15 jours, une semaine. On arrache et puis on prépare pour cet automne. Donc là, bah, je vais les laisser conserver, mais dans pas longtemps. Alors, je vais couper un 5 minutes le truc pendant que je vais chercher le petit bac. Donc là, je mets ça dedans parce que les déchets, parce que une fois par semaine et la poubelle est déjà pleine. Donc voilà. Les amis, je coupe pendant, je coupe et je reviens tout juste. Allez, à tout de suite. Et re les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire montrer les patates qu'on a récoltées depuis tout à l'heure. Donc, voilà. Alors on a des bonnes patates, hein, les amis, qui ont une midiou, mais il y en a. Second cours. Ils sont encore consommables. Hein. Comestibles. Ils sont bien roses là, sur l'eau. C'était des rouges, c'était des désirés. Alors j'en avais 100 plants. Alors l'autre côté, j'en ai déjà récolté. Je vais vous faire voir. Attendez. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors. Ceci, c'est cela que j'ai récolté l'autre côté avant-hier, donc ça veut dire vendredi, non samedi je les ai récoltés. Midiou, plein de champignons, donc peut-être je vais pas en garder. Peut-être je vais les manger. Il bon. Faudra vite les manger. Moi, ça va, j'aime bien ça. Les frites, c'est bah, la tradition du Nord. Là, c'est ce que je viens de récolter ici. Il y en a encore plein. Là, cette ligne-là, elle est finie. Là. Cette ligne-là, elle est finie. Là, il faut que je coupe les verres là. Les verres là-bas. Tout là. Là où vous voyez, là tout s'est pas coupé, là tout est pas coupé encore, et donc bah je suis dans un chantier de taillage. Allez, moi je vous laisse sur ce, bonne vidéo, et surtout abonnez-vous, partagez, mettez le petit pouce qui fait plaisir, et bisous, et bon courage à tous, bon courage à ceux qui sont dans le jardin, les amis. Parce que je sais qu'il y en a qui me suivent et qui font leur jardin en même temps. Et voilà. Donc les patates, ben, on coupe les verres pour avoir au moins. Enfin, pas pour avoir moins de maladies, mais bon. Pour moi, les. Que la maladie, les midiou, ils l'ont eu tous.
Et donc, ben, on coupe les verres pour les récolter dans d'ici une semaine. D'ici une semaine, ils seront récoltés. Et voilà. Et les petites betteraves, ils sont là. Il y a une petite. Une belle betterave là. Elles sont encore petites. Mais ils vont grossir, je pense. Et il y en a encore plein. Donc là, c'est un peu sale. Bon, on essaye de j'essaye de nettoyer, désherber et puis préparer pour l'automne. Mettre du compost. Peut-être faire prendre un peu de fumier. Un peu de fumier par un fermier si j'arrive à en avoir. Et donc vous voyez, c'est sec. Hein. Donc on récolte ça par temps sec l'année prochaine. Bah, j'arroserai pas les patates, j'arroserai que le minimum, que la plantation. À la plantation, j'arroserai comme l'année dernière. Bah, j'ai eu le mildiou sur deux rangs, mais bon, c'était pas grave. Mais là, c'est quand même quelque chose qui arrive. Donc voilà, allez, moi je vous laisse sur ce. Moi je vais continuer tout le feuillage. Et puis, bah, je vous dis ciao, bye bye, bisous.